Salut les filles! Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc en fait c'est un challenge make-up, est-ce qu'on va réussir à se maquiller en 5 minutes chrono? Oui parce qu'en fait on veut essayer de vous prouver qu'on peut se maquiller le matin en 5 minutes même si on n'a pas forcément le temps. Voilà, en fait on va peut-être sauter quelques étapes qu'on fait quand on a le temps pour réussir en fait à être maquillée en 5 minutes le matin. Donc voilà! Bon bah c'est parti! C'est parti! Allez! Alors premier petit conseil qu'on va vous donner pour gagner du temps le matin, c'est de le soir de préparer en fait une petite, une espèce de petite trousse de maquillage. Voilà, avec ce que vous avez utilisé le lendemain. Mmh. Parce que comme ça vous n'avez pas besoin de tout chercher dans vos placards quand vous avez beaucoup de maquillage ou même au moins vous prenez ce que vous avez besoin, vous préparez le soir et le lendemain matin vous ne vous servez que dans cette boîte là. Ouais. Donc pour le challenge c'est ce qu'on va faire parce que sinon c'est un petit peu dans la bouise. Donc on va se maquiller en même temps et on va mettre le chrono. On est toutes floues. On est plus floues, c'est bon. Je vais mettre le chrono sur mon portable. Ah, attendez. Je mets en chronomètre ou en minuteur? Minuteur, ouais, parce que ça va sonner comme ça. Ah non, pas heure, minute. Donc je vous montre. Je vais dire bêtise, ça va tout droit. Ouais. Voilà. 5 minutes. On est sur 5 minutes. On a chacune une glace, chacune notre maquillage. Lorraine n'a pas son maquillage. Je rapproche mon maquillage. C'est bon? Et on va essayer en 5 minutes de se maquiller, donc c'est la première fois qu'on le fait, si on se loupe, on pourra pas nous en vouloir. Donc voilà, Lorraine, tu es prête? Je suis prête, ouais. Tu vois le chrono là ou pas? Oui, bah de toute façon, ça va sonner. Hein. De toute façon, je vais te prévenir quand... Bon, attention! Allez, zen. 3, 2, 1... On commence! Bon, on commence chacune avec correcteur. Oui, oui, on zappe le fond de teint. De toute façon, si vous voulez aller en cours, il vaut mieux mettre un quelque chose d'assez naturel. Voilà, faut pas non plus en mettre des tonnes. Faut pas surcharger, c'est vrai que. On va pas en faire des tonnes. Non, c'est en fait, le correcteur, il va vous donner bonne mine. Ouais. Les petits défauts. Et puis si vous avez quelques imperfections, vous pouvez quelque chose avec le correcteur. Bon, on aurait déjà 40 secondes qui sont passées. Non mais c'est mort là, on se dépêche hein. Déstresse-toi. Et mon correcteur est trop clair pour ma peau. J'ai bronzé. Bon, bah, je vais chauffer. Allez, le correcteur c'est bon. Hein? Moi je continue hein. Allez, je t'abandonne. Ah. Je coupe un petit peu mes sourcils. Moi, je passe énormément de temps en fait à faire cette étape, je pense. Il n'y a rien à voir avec les glaces. Ah oui, mince. Bon, ce qui est bien, c'est que je parais vraiment blanche. Je vais réchauffer avec du bronzer parce que là c'est un peu la cata. Ensuite, là où tu fais tes soucis. Ouais. Moi, je vais matifier pour que ça tienne toute la journée. Je crois que les sourcils c'est un des trucs sur lesquels je sais pas vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Ce dont vous passez le plus de temps dans vos maquillages, mais alors moi les sourcils je sais c'est vrai. Allez, je parle pas trop, je continue. On va faire bronzer. Ouais, moi aussi. On va avoir meilleur mine. Oh oui, c'est la première fois que je trouve que 5 minutes, ça passe extrêmement vite. On est à combien? Je vais pas te le dire. Que je ne pense pas que nous allons réussir. Il reste 2 minutes 20. Blush, on y va.
On zappe la lighter, hein, parce que bon, quand on n'a pas le temps le matin, ouais. Hop. Mettez un petit blush irisé. Oui, je passe à la palette. Bon, allez, moi je vais rester dans les tons marron. Alors. On y a les yeux. Oh, on peut prendre une... Moi je trouve que le plus simple pour gagner du temps, tu vas me dire tout mal, mais je sais que moi je mets toute la poudre, donc je forme mon œil, je mets toute la poudre et après j'estompe, éventuellement je remets un peu de clair à l'intérieur de l'œil, si après avoir estompé il y en a plus beaucoup, mais je trouve que ça gagne vraiment du temps, qu'est-ce que t'en penses? Oui, c'est sûr, mais toi, ouais, tu fais des conneries. Désolée, je te parle, je te déconcentre. Oh là là. Si tu gagnes du temps, tu sautes l'étape d'estomper à chaque fois en fait, non? Ouais voilà, bah j'estompe vraiment, je prends vraiment le temps d'estomper, qu'est-ce qu'il y a? Il reste 30 secondes. Oups. Hop. Mon mascara. Bon. Aïe, je suis stressée. Ok, 5 secondes Lorraine, 5 secondes. J'ai pas mis mon jeu, ma bébé. Ouais. Ouais. J'ai pas oublié le rouge à lèvres et moi j'ai pas fait mes sourcils. Hop. Bon. Elle est vraiment blanche par contre, moi j'ai vraiment mon... Ouais, ton highlighter qui est trop clair, mais ça se voit beaucoup même. Ouais, non, ton crotte. Mais... Bon, c'est bon, on a compris. Arrête-toi! Bon, alors en 5 minutes. C'est un peu juste quand même 5 minutes. Hein. Ouais, mais c'est pas. Alors, je pense que pour réussir, il faut pas mettre de. De phare, en fait. Si vraiment, vraiment... Bah ouais, mais dans ce cas-là, tu mets que le, mascara, quoi. Ouais. Ça fait moins maquillé. Bah, on y arrive quand même en 5 minutes à... T'as pas mis de blush, toi? Non. Ah. Ah. Mm. Ouais, alors je peux vite faire mes sourcils, hein. Bon, en 6 minutes, je pense que j'aurais réussi. Oui, 6 minutes, oui. Bah moi, il me restait plus que le rouge à lèvres à mettre. T'as pas un petit crayon? Pas de petit crayon. Pour les lèvres? Ouais. Ah bah non, mais non, attends. T'avais pris quoi comme rouge à lèvres? Ah si. Je suis bête. J'ai cru que j'avais oublié. Hop. Donc en fait je pense qu'il y a certaines étapes à sauter, je pense. Mais après c'est en fonction aussi de vous, qu'est-ce que vous préférez. Si vous préférez mettre absolument du rouge à lèvres ou mettre du fard, c'est aussi ça, non? En fonction de... T'es pas d'accord? Mmh. Donc je pense qu'en 5 minutes c'est possible, et avec de l'entraînement, parce que nous c'est la première fois qu'on le faisait. Donc je pense que c'est possible en 5 minutes. Voilà. On y était presque. On n'a pas un résultat aussi chouette que si on prenait un peu plus de temps. Parce que moi je vois que je suis un peu rose, mais et je suis un peu blanche. Bon, ça, non c'est... mais ça va franchement. Ça va. C'est donc, bien. Ça fait quand même maquiller. On peut dire qu'on l'a réussi ce challenge. Ouais. On l'a réussi. Oui oui. Ouais, franchement, moi je me l'accorde. Voilà. N'hésitez pas à nous dire en commentaire combien de temps vous mettez vous pour vous maquiller le matin. S'il y a quelqu'un qui me dit moins de 5 minutes. Je veux voir. Oui, on veut voir la vidéo. Je veux voir la preuve. Donc voilà. Bon, écoutez les filles, on vous souhaite de passer une bonne journée. Et ouais. On vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. J'arrive plus à parler. Allez, bye.